Bah pour nous, il est en train de se passer quelque chose de grand en France, un événement majeur, puisqu'il y a cette mobilisation populaire qui prend de l'ampleur, qui prend forme. L'année dernière, au mois de juin, au premier meeting du Front de Gauche, à ce moment-là, le Front de Gauche était crédité de 3% des intentions de vote. Il y avait 4000 personnes place Stalingrad à Paris. Depuis, on a vu qu'on a réussi à rassembler au Prado à Marseille sur les plages, à la Bastille, des dizaines de milliers de personnes. On a rassemblé lors de nos assemblées citoyennes qu'on a organisées un petit peu partout dans le pays aussi, où là vraiment on a parlé politique, où les citoyens se sont emparés des questions, de thèmes nouveaux, comme le partage des richesses, comme la 6e République par exemple. Bon, on a aussi essayé de mobiliser, d'éclairer sur la réalité du programme du Front National, qui est un projet xénophobe, antisocial, raciste. Et là, c'est une grosse déception évidemment pour nous de voir le score du Front National, mais on lâchera rien, et puis... Il y a maintenant une autre étape pour nous de la révolution citoyenne qui est législative. Dans une république du peuple, c'est important pour nous le Parlement, donc on va continuer à se mobiliser pour avoir un grand nombre de députés Front de Gauche au Parlement, des députés qui, avec les citoyens, élaboreront des lois, proposeront des lois, on ne lâchera rien de notre programme, on le fera appliquer jusqu'au bout, c'est l'humain d'abord.